Hola a todos, bonjour à tous. Voilà une nouvelle vidéo. Alors ce week-end on va sortir, on va aller à Verdun ou à Gérardmer ou en Allemagne. Je vous emmènerai avec. A tout de suite. Alors je crois que le chat il est bien en train de faire la petite sieste. Hein. Il dort bien. Hop, il se retourne. Mocha. 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 Non, il se réveille pas. Il dort. Il dort profondément, mais non, il a ouvert les yeux. J'avais un trou dans la piscine, j'ai mis une rustine à l'extérieur et à l'intérieur aussi. On va voir si ça tient, normalement oui, c'est des spéciales. Ce soir, j'ai envie de manger des tomates cerises. On n'a plus qu'à les cueillir dans le jardin. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais en prendre. Je crois qu'en question de carottes, je suis bien servi. Hein. J'en ai bien planté. Je vais en avoir assez pour tout l'hiver. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aux figues. Elles sont toutes petites. Elles mûrissent, elles sont violées, mais elles grossissent pas. Est-ce que c'est le temps qui a fait ça? Je ne sais pas. Et en plus, elles tombent par terre. J'espère que je vais en avoir. Ce soir, c'est soirée kebab. Mais sur la bouffe. On va se régaler. Je respecte quand même. Du bon kebab. Allez, on est parti. Alors, on va faire une recette ce soir. C'est beau un grand jardin, mais c'est du boulot pour l'entretenir. Il est jusqu'au fond là-haut, ce qu'il y a le bois. Trésor de jardin. Avec une belle terrasse. Mais c'est de l'entretien, c'est de l'entretien. Mais c'est beau. Voilà mon jardin. Allez, on nettoie le pare-brise. Je suis trop petit. C'est chiant de monter. Je monte carrément sous le capot. Hop, à la vache. C'est haut, hein, au milieu. Hop, un stick avec l'éponge. Ou sinon, il y a le balai aussi. Hein. Moi, je le fais, hop. Si je me casse pas la gueule. Hop. Avec un tabouret, hop. Tac. Hop. La vache. Tac, tac, tac. On astique, on fait la Conchita avant de partir en week-end, ça c'est de la sécurité, de la visibilité. Alors il faut, moi je le fais à chaque fois, bien nettoyer le pare-brise. J'aime bien qu'on voit bien, hein? Un coup d'éponge et après, hop, on sèche. Et de l'intérieur aussi. Parce qu'il y a toujours de la buée qui crée des gouttelettes quand on met les protèges soleil là. Alors moi je le fais à chaque fois. Hein. Bien nettoyer pour avoir la bonne visibilité. Ce matin j'ai enlevé l'herbe des fraises. Il y avait plein d'herbes. Waouh, des fils, des fraises qui s'étaient mis entre les fraises. J'ai tout nettoyé. J'ai mis au moins 2-3 heures pour nettoyer les 4 rangées là. Et maintenant c'est fait, c'est propre. Allez, on va aller chercher des concombres, je crois. Je crois qu'il y en a, on va aller voir. On ramasse aussi des pommes du pommier, hein. C'est la période. Elles sont belles. On va se régaler, elles sont bonnes en plus. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme sorte. On va ramasser des concombres aussi. Il y en a quelques-uns là. Celui-là, il est gros. On va le récupérer. On va le manger ce soir. Mocha. Mocha.
J'ai fait aussi la semis de salade d'hiver. Ça commence à pousser. On va bientôt les planter alors. Hein. On attend encore un peu. Nickel de pare-brise. Il est propre là, prêt à partir. Après-demain, on part dans les Vosges. Je vous emmènerai visiter Gérard Mer. Vous voyez le petit bouton qui fait verrou. Il s'est foutu en l'air. Bah, je l'ai réparé avec un truc que j'ai trouvé là. Et ça fonctionne. J'ai vissé. Et ça marche. Bon, c'est pas trop esthétique, c'est blanc, mais bon, tant pis. Hein. Ça sent un peu plus, un peu moins. De toute façon, c'est un vieux camping-car. Ce week-end, je vous emmène en balade. Préparez-vous, les amis. Je vais vous faire voyager encore. On décroche les vélos, on les prend pas ce week-end. On les enlève. Hop, j'enlève la sangle. Parce que moi, je mets les sangles. Je l'enroule sur le porte-vélo, la sangle. Okay. J'en ai deux, des fois j'en mets trois. J'enlève le tendeur et on le descend. Ah la vache, c'est lourd hein. Et on le met sur le tapis. Et on enlève le deuxième aussi. Tac. On enlève le bracelet là. On pourrait. Voilà. Et on enlève le dernier. Sans se prendre la figure. Hop là. Et on n'a plus que le ranger. Hop, on remet ça et on met le tendeur et voilà. Allez, prends pas ce week-end. On n'a plus que les ranger dans leur abri de jardin qui se trouve là-haut. On branche l'électricité aussi. Allez, hop. On attrape. La prise bleue européenne. Et la rallonge. Et je mets ça au-dessus. Et voilà. Tac. C'est bon. Après, on met là le principal. Auxiliaire, voilà, c'est bon. Ben, les autres, on peut les mettre aussi, mais ben, ça sera demain. Moi, je mets auxiliaire là. Après, là, en 220, et là, on règle la puissance. Moi, je mets 4, il fait pas chaud, mais non. Voilà, il est pris le frigo à être chargé.
Il est vide encore, on l'a pas chargé. Il n'y a que les boissons de la dernière fois que j'avais laissées. Mais on va le charger. Le bac à douche, eh ben, il sert aussi à mettre les chaussures. Comme il est en inox, il cassera pas. Alors je mets les chaussures de marche ou de plage. Vous voyez, l'abri de jardin, il me sert aussi pour stocker le bois et les pneus d'hiver. C'est pratique quand on a un gros carport. Il sert de débarras. Je mets même l'échelle et tout dedans. À côté du camping-car. Des fois, j'ai peur que ça se casse la gueule. Mais bon, pour l'instant, il s'est jamais cassé la gueule. Alors, on a prévu ce week-end de partir du Grand Est de Thionville, prendre la A31 jusqu'à Nancy, Nancy, visiter Nancy, passer pour jusqu'à Épinal, dans les Vosges, Gérardmer et le Grand Ballon qui se trouve. Le Grand Ballon, il se trouve vers là, je pense. Là, le Grand Ballon. On va rester là le week-end, dans les Vosges. Grand Ballon, Gérardmer. J'espère que ça va aller, que j'aime bien. Je pense que oui, hein, j'ai déjà été. Jamais à Gérardmer, j'ai déjà été, mais le Grand Ballon, on n'a jamais fait. Ça, c'est l'occasion. On va nettoyer les grilles du barbecue. Celui-là, parce qu'il noircit, là, on va les faire briller avec le Scotch Bridge, là. Et celle de la cuisinière aussi, de la plaque de cuisson, pareil, celle-là, les petites là. Elles étaient noires. Alors on frotte, on va frotter là. Ah là là. Faut y aller, hein. Faut pas avoir peur de frotter. Hop. Et après, on aura un bon résultat. Celle-là aussi, on va frotter. Voilà. Ouais, il faut rincer, tac tac tac. Ça pareil. Hop. On va sécher un peu. Hop. Et là, vous voyez les résultats. Là, il est impeccable. C'est comme du neuf. Et celui-là aussi. Comme du neuf. De temps en temps, il faut le faire, hein, parce que. Hop, voilà, et on va le ranger dans le barbecue. Est-ce qu'elle est où le barbecue? Il est là. On range tout là. Dans le, moi j'ai le là, Kadak Safari 2. Kadak Safari 2. Tout, hop. Hop, on range tout, tac. À moi tout qui rentre, si on met bien, et on le ferme. Avec sa cartouche sur le côté et on le range. Hop. Préparez-vous les amis, demain je vous emmène dans les Vosges, dans le département des Vosges. Alors mon planning c'est, comme je passe à Nancy, eh ben, on va sortir Nancy, Nancy centre, on va faire le centre-ville de Nancy. Et la place Stanislas aussi, qui est merveilleux, mais c'est merveilleux. Et après, on part sur le département des Vosges et on va aller au Grand Ballon dans la route des Crêtes. À ce qui paraît, c'est magnifique, j'ai jamais été. Et après, si j'ai le temps, je vais faire un détour sur Gérardmer. Alors demain, les amis, préparez-vous, je vous emmène dans les Vosges.
Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et à demain, les amis.